Salut les cafardinos! Mouah! Bisous sur vous, j'espère que t'as liké la vidéo, même avant de commencer, j'en ai rien à foutre. Et surtout, c'est la reprise des tutos aujourd'hui. Abonnez-vous, faites-moi plaisir à fond, je veux qu'on pulvérise le bouton s'abonner, que voilà, on grind de ouf YouTube, et ça peut que passer par votre amour et par votre soutien. Aujourd'hui, tuto d'une longue série. Je tiens à vous préciser que dans la description, vous avez mon Instagram et mon Twitter, donc c'est bien cool de me follow et tout, bam, ça fait gonfler les stats et tout, on aime bien. Mais surtout, vous pouvez l'utiliser pour me DM sur Instagram, ou sur Twitter, si vous avez comment dire, des tutos mal assimilés, vous avez besoin d'un complément d'information, une petite aide sur quelque chose et tout, bah, je vous réponds pareil. S'il y en a qui veulent du matos, qui savent pas quoi acheter, qui veulent pas se faire baiser, pour les skins, tout, je m'en fous, je réponds à un maximum d'entre vous, j'essaye d'aider ma communauté, c'est important. Donc voilà, passez par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est sur Overpass et on va faire un tuto sur l'enchaînement de stuff et tout. Comment, enfin, bloquer l'animation parce qu'on me demande tout le temps, ouais, comment tu flashes comme ça, comment ça se fait que ton armée revient, nanani, nanana. Bref, je vais vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre. Vous, en général, vous stuffez, hop, vous cliquez et le temps que vous récupérez votre arme, ça met un temps fou. Moi, je mets ma grenade, hop, je reprends ma M4 direct et je suis prêt à tirer, je suis prêt à batailler. Donc l'animation vient beaucoup plus vite. Ce que ça va permettre, c'est que on est moins en zone de danger, on récupère tout de suite une zone de confort plus rapidement, on peut fighter très très vite, on peut se replacer très vite et on peut utiliser ça de manière à attaquer mais aussi à défendre. Donc je vais vous montrer les deux exemples et puis c'est tout, voilà, tuto Malek, tu connais mon frérot. Donc comment on fait? Alors déjà ce qui est important, c'est le bouton dernière arme utilisée. Donc paramètres, clavier souris, moi c'est le A, voilà, dernière arme utilisée, moi c'est le A, c'est à côté du Z, hein. Donc comme ça je peux faire ça, d'accord, parce que ça vous permet le A aussi, enfin voilà. Quand t'es à la WAP, hop, et tu reprends ton AWAP, tu vois, et t'appuies deux fois sur A. Ok, par exemple, mais bon, on s'en fout, ça utilise, c'est fait pour ça, mais c'est fait pour le stuff. Donc par exemple, si tu veux mettre deux flashs, tu fais flash, A, flash, A, t'appuies deux fois sur A. Bon, on a compris le principe, tu récupères ça vite. Et hop, là tu récupères ta M4. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lance ma grenade, ma molo, ma smoke, ma flash, et de suite je rappuie sur première arme utilisée, donc par exemple, la M4. Donc je mets flash, M4. Donc ça peut m'arriver de le faire en phase d'attaque et en phase de défense. Donc en phase d'attaque, qu'est-ce que ça donne? C'est un rush ultra rapide, tu veux enchaîner les flashs pour pas t'exposer. Donc je vous montre, si t'es un gros débile, tu vas faire flash. Là tu vas la prendre, flash. Allez, tu te retournes, vous voyez le temps que ça a mis? Je suis couteau en main, je suis flash en main. Waouh, je me suis hyper exposé, on va pas se mentir. Le mec il aurait pu me pique entre les deux flashs et me violer dans le mid. Là moi je vais faire flash, j'ai déjà repris ma flash. Flash. J'ai déjà ma M4 tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Maintenant j'ai ma M4 par exemple. Pareil si je veux faire ici. Donc là c'est en phase d'attaque, une flash. Et je suis déjà arme en main. Vous voyez tout le rush, je suis arme en main, on va dire ça comme ça. Phase de défense, je subis un rush, je subis une pression, peu importe, du stuff, des mecs qui me rush et tout machin. Je vais préparer ma molotov, d'accord? Je vais préparer ma molotov. Je garde ma ligne comme ça, je garde ma ligne comme ça, je garde ma ligne comme ça. Hop, là je molo instantanément, je prends ma flash. Hop, et ma M4, et je repique dedans, et là je nique des mers par exemple. Bon, bref, on s'en fout, c'est de la créativité après, c'est en fonction des situations, tout change en fonction d'une situation, d'un call, de si vous êtes seul, à deux, si vous faites attaquer, si vous vous attaquez, plein de choses. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment on fait ça. Entraînez-vous sur un serveur privé comme ça, avec vos trucs, ça peut vous sauver, on va dire ça comme ça. Dans plein de situations de jeu, moi ça m'est arrivé justement quand je subissais un rush de pouvoir genre doubler la flash ou mollo et enchaîner prendre mon arme, double flash dans une phase d'attaque et tout, et ça m'a pas mal aidé, enfin ça m'aide beaucoup. On me pose souvent la question, que ce soit sur YouTube quand vous regardez mes gameplays, ouais mais comment ça se fait qu'il flash comme ça, il récupère le truc, ou sur Twitch quand je live, donc venez follow Twitch et sub, faut lâcher le sub les gars sur Twitch, donnez de l'amour un peu. Voilà, donc si vous avez kiffé, comme d'hab, hein, vous laissez un gros like sur la vidéo, on s'abonne, et si vous avez des suggestions de tutos en balle, c'est dans les commentaires, d'accord? Si vous voulez que je refasse des anciens, genre celui-là, précisez pourquoi, parce que vous n'avez pas compris quelque chose et tout, pas me dire, ouais, refais-le celui-là, ça sert à rien, je le referai pourquoi? Il est déjà complet en général, c'est peut-être que vous voulez que je le refasse d'une autre manière, parce que vous avez du vocabulaire que vous n'avez pas compris, il y a des choses que vous n'avez pas assimilées, vous avez besoin d'une expérience supplémentaire, d'exemples supplémentaires, d'une manière de le dire différente pour
pour vous aider à le comprendre. C'est... Parce que moi, on me dit, ouais, vas-y, refais ça. Et je regarde ma vidéo et je me dis, attends, ils sont fous, frère. Le tuto, il est cool. C'est juste que je me mets pas à votre place parce que j'arrive pas à pas comprendre ce que vous avez pas compris. D'accord ? Bref, on s'est pas compris, mais on s'est compris. Bisous à tous, je vous aime.